est, je suis parti. On est samedi 23 octobre. Je suis en direction de Sète pour aller prendre un bateau. Au départ, c'était un Marseille-Tanger et il n'y avait plus de place. Et la seule et dernière place que j'ai pu trouver, c'est pour un Sète-Nador. Donc ça va me rallonger un petit peu de distance. Ça va être un petit peu plus long pour traverser le Maroc, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça y est. Donc je vais essayer régulièrement de vous poster des petites vidéos. Et puis sur le site Baroudland, baroud-land.com, vous retrouverez donc les vidéos et le positionnement GPS quotidien que je transmettrai avec quelques petites annotations en cliquant sur le point qu'il y a sur la carte. Ça ouvre une fenêtre et j'y inscrirai quelques messages texte. Voilà, bah écoutez, j'espère pouvoir vous faire partager cette passion du voyage, ce grand périple qui va être à mon avis semé d'embûches. Je vais essayer de vous faire vivre tout ça et puis bah voilà, je vous dis à bientôt. Je suis à Sète avec mon ami Philippe. Donc j'ai bien roulé jusque là, tout va bien, mais on est en train de faire des petits réglages moteurs. On est en train de peaufiner l'avancée à l'allumage. Là, après avoir fait les 800 km, le moteur est en train de se mettre en place. Donc on ajuste un petit peu tout ça. Sinon la voiture va bien, elle a super bien roulé, tout va bien. Donc là on est dans le petit atelier de Philippe, on a démonté le tableau de bord parce que j'avais le manneau de pression d'huile, n'envoyait plus d'informations. Et donc on est en train de refaire le circuit imprimé là qui est très oxydé. C'est quand même mieux d'avoir tous les manneaux qui fonctionnent pour l'Afrique. Hein, rien n'est jamais acquis. Ouais, c'est les, un petit peu de temps avant de monter dans le bateau, donc on en profite pour faire les petites bidouilles de dernière minute. Bon ben voilà, j'arrive à mon bateau. Je crois que je suis le dernier à monter. Donc c'est plutôt pas mal parce que je devrais pouvoir descendre du bateau en premier. Ce qui devrait pas de me faire gagner pas mal de temps à la douane arrivé au Maroc. Voilà. Bon ben voilà. Petite cabine pour deux personnes, mais je suis tout seul pour l'instant. Ça serait bien d'ailleurs qu'il n'y ait personne dans la cabine, qu'il n'y ait que moi. Au moins, ça va m'assurer de bien dormir. Quoique, il n'y a pas une seule fenêtre. Ça ressemble plutôt à une couchette de camping-car. Voilà, il y a une petite salle de bain. Il y a des serviettes. La petite douche. Et puis... il y a le seau à vomi. Si jamais ça peut servir. Bon, bah voilà.